Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel WordPress dans lequel nous allons voir comment se connecter à l'interface d'administration de WordPress appelée le tableau de bord. Premièrement, nous allons nous connecter à Internet grâce à un navigateur qui nous permet donc de surfer sur Internet. Pour cela, j'ai choisi Google Chrome. Je vais ensuite rentrer l'adresse de mon site Internet qui est formation-outils-web.fr. À partir de là, je me rends directement sur le site de formation Outils Web. Et pour accéder à l'interface d'administration du site WordPress, eh bien, c'est très simple. Il suffit de rajouter wp-login.php. Et ça vaut pour l'ensemble des sites WordPress qui sont hébergés par des hébergeurs différents de la plateforme WordPress.com. En cliquant sur Entrée, on arrive sur l'interface qui nous permet de nous connecter. Donc là, rien d'extraordinaire. On rentre l'identifiant et le mot de passe. Bon, pour cela, j'utilise un gestionnaire de mots de passe parce que c'est beaucoup plus facile et ça évite de devoir se rappeler de tous ces mots de passe. Et nous arrivons sur l'interface d'administration WordPress. Donc à très bientôt pour un nouveau tutoriel qui cette fois-ci portera sur la création de nouvelles pages et la gestion des textes dans ces pages. À très bientôt.